Renault poursuit de plus belle le rajeunissement de sa gamme sur le marché marocain avec l'arrivée de deux déclinaisons de la Mégane 4, dont la version restylée a fait son entrée début janvier dans les showrooms de la marque. Il s'agit de la Mégane Sedan et de la Mégane RS. En d'autres termes, c'est le yin et le yang, la gentille familiale bien sous tout rapport et la GTI ultra énervée. Nul doute que la compacte tricore Mégane Sedan aura plus d'impact que sa frangine GTI en matière d'affermissement de la position de la marque sur le marché marocain. Les deux profitent des évolutions esthétiques et technologiques étrennées par le modèle dont elles dérivent. Au programme, une face avant remaniée avec goût qui donne à voir une nouvelle calandre, un bouclier redessiné et des feux désormais full LED dès le premier niveau de finition. Les évolutions sont plus remarquables à bord. La Mégane Sedan hérite d'une instrumentation numérique atteignant 10,2 pouces sur les finitions hautes et d'un nouvel écran tactile central affichant une diagonale de 7 pouces sur les finitions les plus accessibles et de 9,3 pouces sur les versions les plus huppées. Il s'agit de l'interface du nouveau système multimédia EasyLink, synonyme d'une connectivité en net progrès. Sous le capot, le bloc 1,5 litre DCI de la version d'avant restylage, disponible en deux variantes de 90 et 110 chevaux, a été remplacé par un bloc à la dénomination similaire mais qui est plus costaud. Il développe en effet 115 chevaux et peut être associé à une boîte manuelle à 6 rapports ou à une transmission robotisée à double embrayage EDC à 7 rapports, soit un de plus que le DC de la phase 1. Trois niveaux de finition sont proposés sur notre marché, Life, Explore et Intense, à des tarifs démarrant à 215 910 dirhams et culminant à 282 910 dirhams. Passons à la Mégane RS. Au risque de se répéter, elle ne pèsera pas bien lourd dans le mix des ventes de la version restylée de la compacte aux losanges. Mais quel formidable véhicule d'image et quelle dégaine insolente. On parle de la reine des GTI, de la détentrice du record autour sur le Nürburgring dans la catégorie traction. La version restylée de l'Hyper GTI française est toujours animée par le 1,8 litre turbo, mais il a gratté 20 chevaux et grimpe ainsi à 300 chevaux. Le couple maxi progresse pour sa part de 30 Nm et atteint 420 Nm. Autre bénéfice du restylage, un échappement actif à clapet et à l'intérieur, en plus du système multimédia EasyLink et de son écran central de 9,3 pouces, la nouvelle génération du système de télémétrie RS Monitor. La Mégane RS négocie ses aptitudes fabuleuses à 420 910 dirhams. À très vite sur wandelou.com.